Magnifique matinée qui nous rapproche de Noël. Quel privilège de passer ce moment avec vous. Bonjour, ma chère Anna. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, alors, madame Hauser, comment allez-vous? Bonjour, monsieur madame le maire. Madame Norton, ravie de vous voir. Il fait froid aujourd'hui, hein? Oh, beauté divine. Ah, qu'est-ce que ça fait? Merci, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il me faut une douceur pour ma femme. Elle a attrapé une vilaine grippe. Oh, je suis vraiment désolée pour elle. Qu'est-ce que vous diriez de biscuits au gingembre? Oh, ça m'a l'air parfait. Magnifique. D'accord. Oh, vous pouvez me poser ces cartons derrière, s'il vous plaît. Lisa, on a une livraison. Combien de biscuits vous voulez, monsieur le maire? Deux ou bien trois? Ce serait peut-être bien. D'accord. Si j'ai bonne mémoire, je crois que ces biscuits sont les préférés de votre femme. Merci beaucoup. Mais de rien, ça vous fera $3, monsieur le maire. Désolé. Tenez. Et merci pour votre don pour la soirée de charité de Noël. Il paraît que vous vous êtes mise vous-même aux enchères aux plus offrants, c'est vrai? Enfin, pas moi en personne. Mais en revanche, j'ai mis aux enchères aux plus offrants un dessert différent livré à son domicile tous les mois pendant toute une année. Et est-ce que ce serait inconvenant de ma part d'enchérir dessus, même si c'est moi le maître de cérémonie? Je pense que si vous avez l'argent, ils seront d'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames. Au revoir. Ciao. Sophie. Sophie a attrapé la grippe. Elle n'a pas voulu se faire vacciner. Et pourquoi ça? Ça m'a mis un mot sur la vitrine de la pharmacie. Les vaccins contre la grippe sont arrivés. Mais ils sont réservés aux personnes de plus de 45 ans. Alors, mesdames, vous avez entendu parler de ce que Sophie Bascombe a fait? Elle a fait elle-même ses décorations de Noël pour récolter de l'argent pour l'hôpital des enfants. Elle coûte $10, mais tous les bénéfices iront à l'hôpital. Oh, c'est une très bonne affaire, alors. On va en prendre deux chacune, si c'est ça. C'est très gentil. Je vous les laisse pour que vous puissiez choisir. Oh. Merci. Non, Mel, je ne veux pas vous passer de l'argent. Je viens d'acheter des décorations chez moi. Alors, vous écoutez l'accord parfait, la magnifique chorale d'Eden Lake. Nous sommes le 18 décembre. Et n'oubliez pas qu'il ne vous reste plus que 7 jours pour terminer vos courses de Noël. Je suis le Dr Love, qui vous rappelle que la vie sans amour n'est pas vraiment la vie. D'accord. Et les anges de neige? Non. Oui. Ah oui, non, c'est sur notre liste. D'accord. Ne mettez pas trop de farce, d'accord? C'est écœurant. Alors, regardez, ça peint de l'aide en folie. Ils ont déjà tout épuisé, ils veulent recommander des biscuits au sucre et des anges de neige. Très bien, il nous en reste plus beaucoup, puis je dois y passer. Je dois aller chercher un arbre avec Andrea pour la soirée de charité, je leur apporterai ce qu'on a, d'accord? D'accord. Dites, vous pouvez faire une double ration de biscuits au sucre et d'anges de neige, s'il vous plaît? Merci. Tom, tu peux préparer 2 douzaines de biscuits au sucre et d'anges des neiges pour moi? On doit les mettre de côté pour les sapins de l'elfe en folie. J'ai compris. Oh. Tout va bien, Luan? Les sapins de l'elfe en folie sont en train de me rendre folle. Oh, ce sont aussi vos clients? On m'a demandé d'examiner leur livre de compte, mais les chiffres collent pas. Et si je vous servais un bon café bien chaud? Vous savez ce qui vous aiderait à faire les comptes? Un scone aux RL offert par la maison. Lisa, tu peux servir un scone aux RL à Luan? Bonjour tout le monde! J'ai désespérément besoin d'un bon café chaud, extra large. J'ai encore si bien immobilier à visiter aujourd'hui. Oh, bonjour maman. Mouah. Lisa, tu vas pas me croire, ma mère va ouvrir un magasin d'antiquités. Oh, félicitations madame Swenson. Merci. J'ai trouvé une location à Greenpoint. Oh, mais ça va te faire un long trajet. Oh, mais ne t'inquiète pas, on se verra quand même tout le temps. Oh, c'est super. C'est très stratégiquement situé dans le centre commercial, l'emplacement. Dolores. Oh, bonjour. Je me suis inscrite à des cours de commerce, vous savez. Oh, non. Et mon professeur, Miss Whiting, dit que la clé du succès, c'est de choisir un point de vente avec beaucoup de passage. D'ailleurs, c'est exactement comme ça ici. Oh, les cours de commerce. Quelle merveilleuse idée, Dolores. Oh, vous avez du courage. Oui, surtout à votre âge. C'est vrai. Eh bien, oui. Et Carrie, la mère de Norman, est inscrite elle aussi, mais elle a été absente aux 3 derniers cours. Oh, oh. Sinon, il paraît que Sophie Bascombe a attrapé la grippe. Oh, Dolores. Oh, bonjour, Nancy. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce que je vous sers? Un cappuccino moyen, s'il vous plaît. Génial, une pâtisserie? Oh, essayez un de ceux-là, ils sont délicieux. D'accord, je me laisse tenter.
Anna, tu connais ma bonne amie, le docteur Schmidt? Eh bien, je la connais mieux sous le nom de docteur Love. Je suis une grande fan de votre émission. La vie sans amour n'est pas vraiment la vie. Ne l'oublie pas, chérie. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que tu pourrais donner des conseils amoureux à Anna. Je n'ai pas besoin de conseils. Ma fille a deux courtisans qu'elle fait languir. Elle ne sait pas lequel choisir. Je ne fais languir personne, c'est faux. Une mère ne peut qu'espérer et prier pour que sa fille réalise que Norman Rhodes est le meilleur candidat à Anna. Il est beau garçon, il est stable et c'est un autiste. Maman, tu veux pas qu'on osait elle? Toi? Elle a besoin qu'on la guide. C'est magnifique! Ouais, génial. Trop mignon. Bienvenue chez les sapins de Noël de l'elfe en folie. Noël, c'est notre affaire. Je suis l'elfe Molly. En quoi puis-je vous aider à préparer le plus beau des Noëls de votre vie? Je dois acheter un sapin entre 2 et 3 mètres, un pain d'Oregon qui soit beau. L'elfe en folie est fou, tout comme le son c'est prêt. L'elfe en folie est fou, tout comme le son c'est pris. C'est pas vrai. Vous ne prenez que le liquide? Oui, que le liquide. C'est comme ça chez les elfes. Il y a de la monnaie? Laisse-moi regarder. Merci. J'adore toutes vos animations, mais que pensent vos voisins de toutes ces lumières et de la musique? Et du truc qui vous saute dessus à l'entrée, ça aussi. Oh, Larry Jagger, c'est un des propriétaires, a offert un sapin à chacun des voisins. Et on est un tout à 21h, alors personne ne se plaint. Merci. Oh oui, c'est génial. Dites, est-ce que Monsieur Jagger est là? Oui, il est au QG des elfes. Au QG des elfes? Je vais donc aller le rejoindre là-bas. Merci. En fait, j'ai besoin qu'on me livre à la salle des fêtes pour la soirée de charité de Noël. L'elfe en folie fait aussi les livraisons. Suivez-moi. Waouh! 20 dollars pour ces décorations? J'ai les mêmes dans ma boutique. Oh, 20 dollars? Les gens sont contents de payer ce prix. Tout va à une œuvre de charité. Bonjour, je m'appelle Courtney Miller. Moi et mon fiancé Larry Jagger, on est les propriétaires. Je suis Anna Swenson, la dame des biscuits. Oui. Une seconde. Larry! Larry! Anna Swenson est là! C'est la dame des biscuits. Oh! Bonjour. Vos biscuits apportent une délicieuse touche gourmande à notre commerce. Merci beaucoup. J'ai emporté avec moi 2 douzaines de biscuits au sucre et d'anges des neiges pour vous, mais je peux toujours vous en faire plus. Doublez la commande. Mais Larry... Et il nous en manquera quand même. C'est vrai, à 15h, on est déjà en rupture de stock et on doit satisfaire nos clients jusqu'à 19h. Et vous savez, je me demandais... Vous pouvez faire du plum pudding? Rien n'évoque mieux Noël que le pudding aux prunes. C'est vrai, c'est une excellente idée. Ma mère en faisait tous les Noëls. Je sais offrir ce qu'elle aime à ma fiancée. C'est trop mignon, Larry. Je crois que c'est pas facile de trouver des prunes à Eden Lake en cette période de l'année. Oui, certainement, mais en fait, dans le plum pudding traditionnel, il n'y a pas de prunes. Écoutez, je vais voir ce que je peux vous concocter. C'est génial. Écoutez, j'ai été enchantée de faire votre connaissance. Je suis heureux de développer notre partenariat. Vous serrez la main, c'est m'engager. D'accord. Génial. Je vais chercher les biscuits dans la voiture, d'accord? Derrière. Je veux bien discuter. Écoutez, c'est plus possible, possible de parler, d'accord. Allons-y. Salut, Anna. Salut, Mike. Ça va? Wow. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue aider Andrea à choisir un sapin pour la soirée de charité, pour Noël. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas te le dire, c'est confidentiel. Ça ne se divulgue qu'en cas de besoin. Oh, tu es policier? Je comprends. Je suis sous couverture. J'offre un sapin à quelqu'un, c'est une surprise. Eh bien, je trouve ça très mignon. J'espère qu'il lui plaira. Elle est gentille, mais un peu particulière. Elle aime que tout soit parfait. C'est pour moi? Oui, c'est ça. Merci. Oh, je suis si contente. J'ai toujours voulu avoir un sapin Noël, mais je ne sais pas comment Moïse va le prendre. Ne lui fais pas assez confiance. C'est un chat très raisonnable. Il va adorer ça. Ouais, oui, je crois que c'est possible. Norman? Bonjour. Quelle surprise, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu. Salut Norman. Votre mère m'a dit que vous seriez certainement là. Oh, elle vous a dit ça, oui. Donc, surprise, je vous ai acheté un sapin de Noël. C'est vrai? Ça alors, c'est... Oh, donc, c'est très gentil. Très gênant. D'accord. Tu dois te sentir comme une princesse de conte de fées. Un très beau prince vient te sauver des griffes d'un mariage arrangé par ta mère. Tu sais que j'ai besoin de personne pour choisir avec qui j'ai envie de sortir, hein. Je ne ferai pas ce que veut notre mère, ni ce que tu veux, toi. D'accord. Mais soyons sérieuses, on est en train de parler de ton avenir, Anna. Merci, je dois dire que je suis vraiment contente que tu finisses par le reconnaître. Tu aimes faire des listes, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne ferais pas une liste des choses que tu aimes chez Mike, et ensuite une autre avec tous ses défauts? Tu sais que c'est pas comme si j'achetais une voiture d'occasion. Et puis, fais une liste des choses que tu apprécies chez Norman. Et après, compare là avec tous ses défauts. Ah, je suis tellement contente que tu sois capable de faire preuve d'impartialité. Tout ce que je dis, c'est que le meilleur a gagné. Mike a acheté son sapin 6 minutes plus tôt. Attention à ta tête, d'accord? Oui, voilà, là, je crois que ça tient bien. C'est bon. Oh,
vous êtes là. Donc, je crois que j'ai trouvé la solution. Je vais offrir le sapin que je vous ai acheté à l'hôpital des enfants. Oh, c'est une merveilleuse oui, idée. Oui, je crois que... Je veux vous dire que j'apprécie vraiment votre geste. Oh, c'est rien du tout. Que diriez-vous de dîner avec moi demain? Maman sera tellement contente. Dis, tu veux bien nous laisser? Regarde, voilà ton sapin. D'accord. Salut, Mike. Avec grand plaisir. D'accord. Génial. Alors, à demain. D'accord. Norman. Oui. Vous venez m'aider à finir de le fixer? Oh, c'est pas vrai. Je crois que ça ira si je tiens le sapin comme ça. D'accord. C'est bon, Anna. Je crois que là, c'est bien fixé. Tu vas pouvoir y aller. D'accord? Ouais. Génial. Bon. Oh, attention, fais attention à mon sapin. Hein. D'accord. Désolé. Super. C'est bon. T'assures, merci. Waouh. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Les décorations, les lampions. Oh, merci. T'es vraiment donné à fond. Allez. Bon, ça va être un peu délicat de passer la porte. D'accord, attends, je vais t'aider. Ah, t'as pas pris le côté le plus lourd? J'ai pris le côté le plus lourd. Ah. Oh, bah, je vois ce que c'est. Tu m'achètes un sapin, mais c'est moi qui fais tout le boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Je me disais juste que ce serait peut-être bien de vivre dans un monde où on n'aurait plus besoin d'avoir des armes. Ouais. Viens là une seconde. Ouais. Tu sais que sans armes, je n'aurai plus de boulot et ce serait une catastrophe pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... Ah oh, pourquoi? Eh bien, parce que j'ouvrirai certainement une pâtisserie et du coup, tu mettrais la clé sous la porte. Oh, vraiment? Oh, tu vois tous ces biscuits, ces tartes et ces gâteaux que tu fais pour les gens? Uh-huh. Eh bien, je suis un expert en la matière. Oh, génial. Oh, ce sapin est parfait. Je l'adore. Merci, Mike. Hey. Alors, t'es là, toi? Il faut qu'on ait une conversation d'homme à homme. Tu veux donc bien d'un arbre de Noël dans ta maison, hein? Tu n'as qu'à lui dire que ma grand-mère a de très belles décorations que j'ai envie d'accrocher. D'accord, à ses alors tu as droit à un arbre, mais tu n'as pas le droit de toucher aux décorations. Ni à mon sweatshirt. Attends une seconde, je dois répondre, désolé. Lieutenant Kingston. D'accord. J'arrive tout de suite. Je dois y aller, c'est pour le travail. D'accord. Est-ce que tout va bien? Dernièrement, il y a eu plusieurs cambriolages avec effraction dans le quartier. Alors, verrouille la porte et surtout sois prudente. Salut. Hé, Mike, sois prudent toi aussi. Je te le jure. T'es inquiète pour moi. J'aime ça. C'était une tradition en Angleterre de servir du plum pudding à Noël. Cela remonte au 14e siècle. Et même si plum veut dire prune, il n'y en a pas dans ce gâteau. Mais même une bonne recette peut être modifiée. C'est au pâtissier d'y mettre sa touche personnelle qui la rendra unique. Délicieux. Oh, je suis contente que ça vous plaise. Je n'arrivais pas à dormir hier soir, alors j'ai eu l'idée de faire des portions individuelles de plum pudding pour que vos clients puissent les balader avec eux et continuer leur course. Je vais vous commander un grand pour mon réveillon de Noël. J'invite toute ma famille pour qu'elle rencontre Larry. Oh, vous vous êtes rencontrés comment? Oh, chez mon avocat. Mon mari venait de mourir et je m'occupais de son héritage. Et Larry, par un heureux hasard, était là. 6 semaines après, on était fiancés. C'était peut-être un peu tôt. Peut-être. Ouais. Mais vous savez, ouais. C'est... Bonjour, Anna. J'ai votre facture. J'ai pas encore eu le temps de vous faire le chèque. Vous pouvez passer ce soir pour le récupérer? Bien sûr. Génial. On est ouvert jusqu'à 21h, mais Larry... D'accord, y a pas de souci. Excusez-moi. Je voulais vous dire, j'ai 2 autres cartons à vous apporter, d'accord? Je reviens tout de suite. D'accord. Regardez, j'ai tout vérifié. Je suis désolée, ça va pas. Vous êtes sérieuse? Attendez. Oh, non. Tenez, prenez mon stylo. Je sais, j'adore ce restaurant. Leur cuisine est excellente et la carte des vins est incroyable.
J'ai passé une année en France, alors je m'y connais un peu. Oh, vous avez vécu en France? Les plats du jour sont sur la première page du menu. J'arrive tout de suite. Oh, merci. Merci. Oui, j'ai... J'arrive. Après mes études de dentiste, j'ai fait le tour de l'Europe et... J'étais allé en France pour une semaine, j'y suis resté un an. Wow. Alors, vous connaissez bien la France? Tout à fait. Je connais la France et sa gastronomie. Waouh! Le meilleur moyen pour bien connaître un pays, c'est d'y vivre. J'ai toujours voulu voyager, mais en fait, j'ai jamais eu le temps. Ah, vous devriez vraiment prendre le temps. C'est merveilleux de voyager. Ça vous donne une perspective différente sur le reste du monde. Les pâtisseries françaises sont éblouissantes, ça vous plairait. Vous seriez comme un poisson dans l'eau. Merci. Peut-être un jour. Je suis surpris que vous n'ayez pas pris de dessert. Ou est-ce comme demander à un peintre de finir le tableau d'un autre? Alors, pas du tout. Encore une fois. Non, merci. On m'a dit qu'ici, on le flambait au Grand Marnier. C'est exact. Oh, c'est vraiment très tentant, mais non, merci. Je vous en prie. Si merci. Ça ne vous dérange pas, je voudrais faire un saut chez les sapins de Noël de l'Elfe en Folie pour prendre mon chèque avant qu'il ne soit trop tard. Si vous voulez, après, on pourra manger une bonne petite glace tous les deux. Je trouve l'idée excellente. Votre parfum préféré, c'est choco-noisette. C'est vrai. On a tellement de choses en commun. Désolée, je... J'ai cru voir ma mère là-bas. Vous êtes sûr? Si tu veux rentrer plus tard, je suis convaincu que c'était elle. Je suis à peu près sûr que c'était ma mère. Passez-moi votre portable. Pourquoi? Oh, c'est belle. Oh non. Mais si, comme ça on sera sûr. D'accord. Vous voyez, ça sonne. Une seconde. C'est elle. Arrêtez. Oh. Désolée, mais je crois que maintenant, vous savez, elle voit quelqu'un. C'est très bien. Je suis très content pour elle, oui. J'espère qu'elle trouvera un homme avec qui elle pourra être heureuse. Je suis sincère. Oh, toutes les lumières sont allumées, il y a encore de la musique. Je croyais que tout était censé être éteint à 21h. Eh bien, il n'est que 21h30. Ah oui. Il est peut-être à l'intérieur, allons voir. D'accord. Monsieur Jagger? Monsieur Jagger, c'est Anna Swenson, je suis venue pour prendre... Qu'est-ce qu'il y a? Je crois bien qu'il est ivre mort. Regardez, il y a une bouteille. Monsieur Jagger? Vous m'entendez? Vous avez raison, il a l'air inconscient. Hey. Oh, Norman, je ne sais pas si vous... Oh. J'ai besoin d'une ambulance et de la police, s'il vous plaît. Un homme est mort. Il est mort. Je ne suis pas sûr. Il saigne, il est allongé par terre. Oui, je reste en ligne. Je veux dire, non, je vous explique, on était venu. Je suis désolé, je n'en sais rien. Je ne suis pas officier de police. Il faut envoyer une ambulance et la police, vite. Je ne suis pas sûr. On est sur Main Street au sapin de l'Elfe en Folie. Oui. Je n'en ai aucune idée. Il est mort. Oui, j'en suis sûr, il est mort. Envoyez quelqu'un, vite. Très bien, vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, oui. Alors, on vous laisse travailler. Oui. Alors... Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bon, alors, pour commencer, dites-moi déjà ce que vous faisiez ici. Je suis juste venu récupérer mon chèque, il était dans sa main. Décrivez-moi tout ce que vous avez vu au moment où vous êtes arrivé ici. D'accord. Oui, il y avait de la musique et les lumières. Et un elfe m'avait dit que tout était censé être éteint à 21h. Un elfe, oui, c'est ça. Et il était quelle heure? À peu près 21h. On est arrivé à 21h. Donc, tous les deux, vous avez dîné ensemble? Oui, c'est ça.
Où vous êtes allé? Chez Paliotis. Je ne vois pas quand, en quoi ça... Vous êtes arrivé sur place, vous avez vu ou... entendu quelque chose? Non. Non, je veux dire, quelqu'un aurait très bien pu se cacher, mais on n'avait personne. Pauvre Courtney. Oui, je comprends. Et c'est là que vous êtes entré dans le bureau de Larry? Qu'est-ce que vous avez vu? La porte était ouverte et je l'ai appelé plusieurs fois, mais... C'est à ce moment-là que je l'ai vu allongé par terre. Il y avait une bouteille d'alcool vide juste à côté de lui. Et Norman l'a retourné et c'est là qu'on a vu le sang. Il était mort. D'accord. Vous vous souvenez d'autre chose? Je crois bien qu'il avait un œil au beurre noir. Mais il avait un bleu, alors ça ne datait pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est battu hier ou peut-être que... Anna. Que quelqu'un est revenu et... Est-ce que ça va? Oui, merci. J'ai appelé ta sœur. Allez, dis-moi tout. 9 mm. Courtney dit que Monsieur Jagger détenait une arme de poing, mais elle sait pas quel genre. On l'a pas encore trouvé. Il se peut qu'il ait peut-être des empreintes. Par là-bas. Mais il y a beaucoup de passages. Ouais, joyeux Noël, hein? Ouais. On devrait demander aux experts de prendre des photos. Et ensuite, on doit certainement se charger de faire des moulages, des traces de pas. Pour l'instant, on a un impact de balle sur la victime et 2 impacts de balle sur la télé. On a retrouvé 3 douilles. Ça m'a l'air intentionnel. Ouais. Aucun signe de lutte. T'as bien bossé. Dis-moi quand t'as du nouveau. Je vais parler à Anna. D'accord, on se tient au courant. Hé, hey, faites attention avec ça, les gars. C'est des preuves. Faites gaffe. On vous a dit tout ce qu'on savait, je pense. Il fait très froid et il commence à se faire tard. Je voudrais raccompagner Anna. Ça vous va? Oui, oui, c'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Rentrez chez vous, mettez-vous au chaud et reposez-vous. Vous écoutez la matinale du Dr Love. Et après cette pause, nous discuterons du fait que le pardon est la plus belle preuve d'amour. Je ne me suis jamais sentie en danger. Tant mieux pour toi. Mais tu es fou. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous n'êtes pas... Vous savez, dès que ce pauvre Ron a été tué, j'ai commencé à trembler. C'est vrai. Et aujourd'hui, deux morts en une année. Anna, je suis si contente que tu sois là. Ils se sont tous mis à faire la queue avant même que j'ouvre la boutique. Hein, pourquoi ça? Le meurtre a fait la une des journaux. Tu vas bien? Je me suis fait du souci pour toi. Je vais très bien. Ils veulent que tu leur racontes le moindre détail. Bonjour, Pat. Bonjour. Pourquoi les gens s'intéressent autant à un truc aussi morbide? J'en sais rien. Je crois que c'est juste la nature humaine. C'est affreux. Oh, Anna, qu'est-ce que vous avez vu? Bonjour. Il était mort quand vous êtes arrivée? J'habite juste en face des sapins de l'elfe en folie. Monsieur Jagger mort faire un arbre de Noël gratuit, le pauvre homme. J'ai l'impression qu'on est tous en danger. Oh, non, non. Nous ne sommes pas en danger. Mesdames, nous sommes en sécurité. Oh, Anna. Anna. Oh, non. Tu dois tout me raconter. Mesdames, et si je vous offrais des cookies au chocolat blanc et au potiron? Oh oui, merci. Oh, c'est gentil. Est-ce que ça va? Tu as quand même réussi à dormir? Oui, je vais très bonjour, bien. Bonjour, les filles. Non. Tu as plein de clients, Anna. Mon professeur, Miss Whiting, dit toujours que la plupart des gens aiment faire du shopping dans des endroits très fréquentés parce que c'est tendance. Je vous ai apporté des cadeaux. Anna, d'abord, le tien. Merci. Oh, le livre de Dr. Love. Alors, j'ai surligné tous les passages qui te concernent et j'ai souligné toutes les choses que tu fais de travers. Maman, merci beaucoup, maman. Et Andrea, je suis soyez, chérie. Oh, regarde ce que je t'ai acheté. À quoi s'attendre quand on attend un bébé? Juste au cas où tu aurais décidé de faire de moi une grand-mère. Maman, arrête de lui mettre la pression. Mais comment? Tu n'es pas au courant, alors? Tu es enceinte. Dis-lui. Non, maman, c'est à propos de Larry Jagger. Quoi? Le propriétaire de l'elfe en folie. On l'a retrouvé assassiné hier soir. Oh. Oh, Pat, prépare le frais. Je vais finir ça pour toi, d'accord? C'est Anna qui l'a trouvé. Encore une fois, Anna. J'étais juste dans les parages, j'y peux rien. Et Nancy est au courant? Nancy? Docteur Love. Elle est certainement encore aux écuries. On doit la prévenir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et... on devrait lui prendre des biscuits pour atténuer le choc. Et pourquoi elle serait sous le choc? Parce que Larry Jagger était son mari. Je suis vraiment désolée de débarquer à l'improviste, Nancy, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Tu devrais peut-être descendre. Une mauvaise nouvelle? Anna va te le dire. Vas-y, vas-y, chérie. Docteur Love, je suis désolée de vous annoncer ça, mais... votre ex-mari, Larry Jagger, oui, a été retrouvé assassiné hier soir. Elle est sous choc. Vite, Anna, les biscuits chocolat bretzel avant qu'elle ne s'évanouisse. Ça va m'éviter un tas de problèmes. Il faut qu'il se calme. Excuse-moi. Larry n'était pas mon ex-mari. Quoi? Je suis tellement gênée, j'ai compris de travers. C'est ça, je croyais que vous aviez été mariée. C'est bien ce que tu m'as dit, hein? J'étais mariée avec lui, mais ce n'était pas mon ex-mari. C'était mon mari actuel, on n'a jamais divorcé. Oh, tu l'aimais trop pour le laisser partir, comme c'est touchant. Non, je n'arrivais pas à le retrouver. J'aurais dû divorcer depuis des années. Il avait vidé nos comptes en banque et il était parti. C'était un grand charmeur, mais aussi un gros arnaqueur. C'est vrai ce qu'on dit alors? On ne connaît jamais vraiment les gens. Alors, vous ne l'aviez pas revu depuis 10 ans? On est parti d'ici pour la Californie et il a disparu. Je n'ai même pas eu le temps de lui passer les papiers. Mais vous saviez qu'il était revenu à Eden Lake, non? Je veux dire, son commerce était tout près de votre station de radio. Vous avez dû passer devant tous les jours. C'est vrai, mais je venais juste de l'apprendre et j'ai tout de suite contacté mon avocat pour lui envoyer les papiers. Jamie? Je suis désolée, je peux vous poser une autre question? La police va rechercher un coupable avec un mobile. Où étiez-vous hier soir? Anna. Non, ça va. J'ai travaillé comme d'habitude, j'ai fait l'émission du soir. J'ai terminé à 21h et je suis rentrée. Je suis restée seule à lire et je suis allée me coucher vers 2h. Tu vois? Non, maman, il l'a abandonné. C'est vrai, cet homme vous a arnaqué, il a pris toutes vos économies et vous avez appris qu'il était... à 2 kilomètres de chez vous. Et vous n'êtes même pas allé lui parler? Je voulais mon divorce. Je voulais que ce chapitre soit clos. Il était mon passé, pas mon présent. Bravo. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez dire au lieutenant Kingston qu'Anna Swenson essaye de le joindre? Merci. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. On aurait dû parler à Mike avant d'aller la voir. Oh! Les vrais amis sont là quand le reste du monde te lâche, Anna. Mike va être très en colère qu'on ait approché un suspect. Nancy n'est pas un suspect. Peut-être que si. Elle ne l'a pas vu depuis des années. On aurait quand même dû parler à la police avant. Nancy est une de mes bonnes amies. Tu peux me déposer à l'école? Mon cours commence dans un quart d'heure et je ne veux pas être en retard. J'ai tellement hâte que tu rencontres Miss Whiting. Elle va te donner de très bons conseils en marketing pour ta boutique. Je ne crois pas en avoir besoin. Oh, cette femme est un génie des affaires. Ouais. Ouais, c'est génial, maman. J'espère que Carrie est là aujourd'hui. Elle a déjà tellement manqué de cours. Oh, j'ai oublié de te dire. J'ai appris que Carrie, la mère de Norman, sortait... Elle sort avec quelqu'un. Carrie? Ouais. Elle voit quelqu'un? Ouais. Oh, c'est qui? J'en sais rien. Bah, avec Norman, on les a vus ensemble chez Paliotis. Attends. Attends, tu étais avec Norman et vous avez dîné chez Paliotis? Oui, on a juste dîné, maman. Oh, ma chérie, je suis vraiment heureuse pour toi. Oh, j'ai tellement hâte d'en parler avec Carrie. Génial. J'arrive pas à croire qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle fréquentait quelqu'un, alors que je lui dis tout. Je sais. De quoi ils avaient l'air? Oh, j'en sais rien. Ils nous ont évités, je crois qu'ils nous ont vus et qu'ils ne voulaient pas qu'on les voie ensemble. Je te parie qu'elle l'a rencontrée sur Amser.com. La mère de Norman est sur un site de rencontre? Oui, moi aussi. On croit connaître les gens. Bon, mais moi, je ne te dissimule rien, chérie. En général. Tu sais que ça fait quand même très bizarre d'apprendre que ta mère est sur un site de rencontre. Je suis une femme célibataire. Il faut être ingénieuse. Je t'ai fait un profil à toi aussi. Oh, Miss Whiting! Attends, qu'est-ce que tu as fait? Juste au cas où ça ne marcherait pas avec Norman ou comment s'appelle-t-il? Il te faut un plan B. Non, Miss Whiting! Je n'ai pas besoin d'un plan B. Je voudrais vous présenter ma fille. Voici Anna Swenson. Bonjour. Désolée. La propriétaire de la boîte à gâteaux, oui. C'est un commerce florissant. Félicitations pour la boutique sur Main Street. Merci infiniment. J'ai déjà fait venir des participants extérieurs à ma classe. Une comptable, des commerçants locaux. C'est intéressant pour mes étudiants de rencontrer des gens de leur propre communauté qui ont réussi. Vous seriez d'accord pour participer? J'en serais absolument ravie. Anna, oh, merci. Je viens juste d'apprendre ce qui vous est arrivé dans les journaux ce matin. Quelle horrible épreuve vous avez traversée. Ça m'est déjà arrivé, vous savez. Oui, je ne sais pas pourquoi. Mon beau-fils est shérif adjoint et il mettra celui qui a fait ça derrière les barreaux en un rien de temps. Oui, j'espère que vous avez raison. Nous ferions mieux d'aller en classe. Ravie de vous avoir rencontré. Oui, moi aussi. J'ai hâte que vous veniez voir mes élèves. Oui, c'est génial. On organise ça pour après les fêtes.
D'accord, ça me va. Au revoir, maman. Vous avez terminé votre exposé? Bien sûr que oui. Mais quel élève modèle. Quels sont les mobiles possibles? La cupidité. Il aurait pu emprunter de l'argent à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un voulait qu'il meure pour hériter. Peut-être qu'on a voulu le cambrioler. Ça pourrait très bien être cette bande de voleurs sur laquelle Mike est en train d'enquêter. Et pour le docteur Love, elle était quand même mariée avec lui. Elle détestait ce type. Il y a aussi Courtney. Courtney était fiancée avec lui. Salut. Salut Mike. J'ai vu tes messages. On a été un peu débordés avec les collègues alors. Quoi? Tu as une envie pressante de sucre? Non, mais dans mon café. D'accord. J'ai éteint la machine, mais il me reste un thermos d'un assemblage spécial de Noël pour lequel j'ai eu de très bons retours. C'est parfait. D'accord. Alors, comment t'as fait pour me doubler avec le docteur Love? Parce que j'ai envoyé des agents à son domicile, à son bureau et à la station de radio. Ma mère la connaît. Elle connaît ses habitudes. Et une fois que ma mère s'est mis une idée en tête, on peut rien y faire. Je sais, tout comme sa fille. Tu te rends compte que si le docteur Love est la personne qui a commis ce meurtre, toi et ta mère, vous vous êtes sérieusement mis en danger. Sans parler non, du fait que vous vous êtes immiscé, que vous avez peut-être même compromis une enquête pour homicide. Non. On met des gens en prison pour moins que ça. Je suis désolée. C'est pour ça que je t'ai appelée. Pour m'excuser et pour te dire ce qui s'était passé. Alors, comment le docteur Love a réagi quand elle a appris le décès de Jigger? C'était vraiment bizarre. Elle n'a même pas essayé de cacher à quel point elle était soulagée. Tu vois, je comprends. Il a vidé les comptes et il l'a laissée toute seule en Californie, mais c'était il y a un bon moment. Je crois qu'elle a le droit d'être amère et peut-être qu'elle est passée à autre chose. Ou elle a voulu se venger. C'est vrai. Je peux te poser une question et je ne suis pas en train de jouer les enquêtrices. Je suis naturellement curieuse. Mmh. Je me demandais si vous aviez d'autres suspects. Cette enquête vient à peine de commencer, Anna. Merci. J'ai cru comprendre que Larry avait fréquenté beaucoup d'autres femmes à un moment. Je ne fais que partager les informations que j'ai avec la police. Tes clients ont vraiment raison. Ce café est délicieux, très doux, pas d'amertume. Oui, merci. Tu ne trouves pas ça bizarre que le mari de Courtney lui ait laissé ce gros magot et que comme par hasard, il ait rencontré Jagger chez son avocat juste après la lecture du testament de son défunt mari? Et à peine 6 semaines plus tard, ils sont déjà fiancés et elle investit dans son business de sapin de Noël. Je sais que l'amour est une émotion puissante, mais tout ça m'a l'air vraiment louche. Tu es en train d'enquêter sur ce meurtre, Anna? Non, Courtney m'a raconté tout ça à notre première rencontre, mais la plupart des victimes de meurtres connaissent leur meurtrier, non? Anna. Courtney avait un mobile, Anna. Et la possibilité de le faire. Anna. Et je sais que c'est bizarre de penser qu'une femme puisse faire ça, mais je suis une femme et on ne sait pas ce dont je suis capable. Stop. Je ne veux pas discuter de cette affaire avec toi. Et si tu continues de t'immiscer et de faire obstruction, alors je devrais t'arrêter. Ah oui, tu oserais vraiment faire ça? Je suis policier, on ne sait pas ce dont je suis capable. Luan, je peux vous offrir un biscuit tout chaud, ils sortent du four. Merci Anna, c'est très gentil. Oh. Je viens de mourir et d'aller au paradis. Les biscuits dentelles de Noël sont mes préférés. Je m'en suis souvenue. Merci. Tu peux vérifier que la commande de Debourg est prête, il va arriver, merci. Je me souviens vous avoir vu en train de discuter avec Courtney Miller à l'Elfe en folie. C'est vraiment horrible ce qui est arrivé à Larry Jagger. Je sais. Vous étiez leur comptable, c'est ça? Larry s'occupait de la comptabilité, mais Courtney m'avait demandé de jeter un coup d'œil pour avoir un deuxième avis. Pourquoi ça? C'est parce que elle vous a demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'anomalie? Il y en avait? Oui. Les chiffres ne correspondaient pas. Ils ne font que du liquide, alors il y a de nombreuses façons de cacher des bénéfices. Comment ça?
Vous facturez un prix et vous en notez un autre. On dirait que vous rentrez tout juste dans vos frais, mais en fait, vous faites des bénéfices. Vous croyez que Courtney a agi dans le dos de Larry parce qu'elle ne lui faisait pas confiance? Courtney m'a dit qu'il y avait un troisième investisseur, un associé passif, un certain monsieur Haddad. Je crois que c'est l'oncle de Larry. Il récoltait un tiers des bénéfices, mais je n'ai trouvé aucun document qui prouvait qu'il avait investi dans cette entreprise. Un associé passif? Oui. J'ai même demandé à un collègue, un professeur, de vérifier mon travail. Vous avez toujours les papiers que Courtney vous avait donnés? Je les ai. Je ne devrais pas. Luan, un homme a été assassiné, c'est grave. D'accord. Je vous envoie une copie par mail. Mais ne montrez ça à personne, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. J'étais en route pour le marché. Oh, je vais vous accompagner. Oh, merci. J'étais en train... Je faisais mes courses de Noël. Je me prends toujours au dernier moment. Et après, je cours partout pour être sûre de tout avoir, vous voyez. Oui, oui, mais moi, j'ai de la chance. Je cuisine mes cadeaux moi-même. Ah, oui, bien sûr. Allez, je vous laisse. Je dois retourner à mon cabinet, mais... D'accord. Ravi de vous avoir vu. Oui, oui, moi aussi. Je vous revois bientôt. Oui, oui, c'est ça. C'était une bonne idée d'entrer dans le bureau, mais elle avait l'intuition que quelque chose n'allait pas et qu'il était de son devoir d'enquêter. Oui, monsieur. Elle a trouvé une bouteille de whisky presque vide à côté de lui et comme il ne bougeait plus, sur le moment, elle a pensé que peut-être il était ivre. Oh. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Excusez-moi. Tom, prends la caisse. Salut! Dieu merci, tu es arrivé. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe ici? Lisa était encore une fois en train de raconter tout ce qui s'est passé. Oh, ça va pas recommencer. C'est juste que les gens veulent savoir ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Jagger. Je suis désolée que tu dois gérer tout ça. Écoute, je dis simplement aux gens ce que j'ai lu dans les journaux et ça a l'air de les satisfaire. Okay. Ensuite, ils achètent leurs biscuits et ils s'en vont. D'accord. Oh, on se sent tous tellement vulnérables. Le tueur est en liberté, il pourrait être n'importe où. Et toi, tu es la personne la plus vulnérable de nous tous. Tu es célibataire et tu vis toute seule. Tu n'as absolument personne pour te protéger. Comment tu fais pour dormir la nuit? Je n'y avais pas pensé jusqu'à présent. Merci. Préparer une boîte de truffes aux framboises, s'il te plaît. Ça roule. Bonjour, Lydia. Anna, quelle surprise. J'ai un cadeau pour vous. Des truffes à la framboise. C'est très gentil de votre part de vous être souvenu que ce sont mes préférés et que demain, c'est mon anniversaire. Oui, bon anniversaire en avance. Les truffes sont divines. Ah, je suis équipée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Anna? Oui, oui. Justement, j'ai apporté mon chèque des sapins de l'elfe en folie. Je me suis dit que vous alliez peut-être fermer le compte après ce qui s'est passé. Quelle tragédie. Oh, oui. Le compte n'a pas été fermé. Mais vous avez raison de vous inquiéter. Le solde est très bas. Vous voulez du liquide ou je le mets sur votre compte? Oh non, si vous pouviez le mettre sur le compte de la boutique, ce serait parfait. Oui. D'accord. Et encore une chose. Je voulais vous demander, j'ai d'autres chèques que Larry Jagger m'a fait et ceux-là m'ont l'air complètement différents. Ils ont l'air différents? C'est ça, une autre couleur. Et je me demandais s'il avait peut-être un autre compte. Oui, il a un second compte. Je me demande pourquoi il a ouvert un second compte.
Je suis désolée, ce sont des informations confidentielles. Oh, bien sûr. Je me demandais juste s'il fallait un deuxième compte pour la boutique. Ça vous embête pas de me dire si je devrais me dépêcher d'encaisser ces chèques? Je voudrais pas qu'ils reviennent à payer. Oui. Je ne peux pas vous divulguer d'informations sur le compte d'un client, mais je vous garantis que tous les chèques que vous pourriez avoir de ce client seront largement honorés. Génial. Et c'est bien le compte joint avec Benjamin Haddad, c'est ça? Il n'y a qu'un seul nom sur ce compte. Larry Jagger. Anna? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai déposé un chèque, le genre de choses qu'on fait à la banque. Hey, tu fais quoi demain à 14h? Je serai pas à la banque. D'accord, je passe te prendre à 14h. Mais une tenue confortable. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste passée te dire bonjour. Ta sœur peut bien passer à l'improviste. À minuit. Bill travaille tard ce soir. J'avais peur toute seule avec toute cette histoire d'assassinat et les cambriolages dans le quartier. Mmh. Andrea, t'as envie de dormir ici? Je suis pas un bébé. Mmh. Ça te fait pas stresser que Bill soit souvent en danger? Quand tu fréquentes un type qui court tout le temps vers le danger, quand les autres essaient de le fuir, tu apprends à retenir ta respiration et tu pries beaucoup. T'as pas vraiment le choix. C'est le prix à payer quand on tombe amoureuse d'un héros. Alors, qu'est-ce que dit Dr. Love dans son bouquin? Des choses intéressantes. En résumé, elle dit qu'il faut trouver en priorité un partenaire qui te comprenne et qui t'accepte pour ce que tu es vraiment. Et donc? Qui te connaît le mieux? Norman ou Mike? J'en sais rien. Aucun des deux. Les deux. J'en sais rien. Mais c'est Mike qui embrasse le mieux, hein? Attention, spoiler. J'ai encore embrassé aucun des deux. Quoi? Pourquoi? Bah, j'en sais rien, moi. Norman est vraiment très poli et notre mère est toujours dans les parages. Et je pensais que Mike allait se lancer et en fait, il a pas fait. Où est ta liste des pour et des contre? C'est ignoble de faire ça. J'arrive pas à croire que tu me l'aies suggéré. Je pourrais jamais faire ça. Où est ta liste? Dans ma chambre. D'accord. Alors, les pour de Norman sont qu'il est mignon. C'est vrai. Ça, on est d'accord. Il est rangé et stable. Il a une carrière assurée, alors on aura une vie plus que confortable. Et il adore voyager, alors on pourrait découvrir le monde, hein? Tu t'amuserais bien. Ses contres sont qu'il est prévisible. Et je crois aussi qu'il voit peut-être quelqu'un d'autre. D'accord, il voit plus d'une personne en même temps. Waouh, j'arrive pas à y croire. Tu veux qu'on continue, oui ou non? Passons à Mike. D'accord, alors Mike est bel homme, il est très exaltant et imprévisible, c'est ça? Et après, les contres sont qu'il a une profession que je trouve très dangereuse. Oui. Et il est trop beau. Mike a gagné, je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu te sens en sécurité en dormant ici? Oui. Je sais pas pourquoi j'ai eu la trouille. C'est pas comme si celui qui a tué ces pauvres gens allait s'en prendre à moi. Tu as bien raison. De toute façon, si le tueur savait tous les efforts que je fais pour l'identifier, il viendrait s'en prendre à moi. Qu'est-ce qu'on fait là? On est là parce que j'ai beau te répéter de ne pas te mêler des affaires de la police, apparemment, tu ne peux pas t'empêcher d'être dans mes pattes. Vas-y, enlève tes chaussures. Ah. J'ai pas besoin. Tu te mets tout le temps dans des situations dangereuses. Je ne pourrais pas toujours être là pour te sauver. D'accord, alors premièrement, je ne me mets pas exprès dans des situations dangereuses. Et je n'ai pas besoin qu'on vienne me secourir, merci beaucoup. Vraiment? Alors imaginons que tu es en face de quelqu'un qui te menace avec un flingue. Oh, comme si ça pouvait m'arriver. Comme quand Madame Woodley te menaçait avec son arme. Et que par un heureux hasard, je suis arrivée juste à temps pour te sauver la vie, merci beaucoup. Je te l'accorde, mais ça n'est arrivé qu'une seule fois et ça ne se reproduira plus jamais. T'as la trouille, c'est ça? Non, j'ai pas la trouille. Attends. Mike, je... Hé, hey, touche pas à mon sac, qu'est-ce que tu fais? Ça fera l'affaire. Tiens, prends ce flingue. Ma brosse à cheveux. Fais comme si c'était vraiment un flingue. D'accord. Première leçon, tu ne tiens jamais une arme sauf si tu as l'intention de l'utiliser. Si tu tiens une arme juste pour faire peur à quelqu'un, mieux vaut éviter. Pourquoi? Si tu as une arme dans une situation sans l'intention de l'utiliser, quelqu'un peut te la prendre et la retourner contre toi. D'accord. Menace-moi.
Maintenant, dis-moi de partir, sinon tu vas me tirer dessus. Laissez-moi ou je vous tire dessus. Tu dois vraiment y croire. Laissez-moi ou je vous brosse les cheveux. Fais regarder ailleurs, d'accord? D'accord. J'ai pris ton poignet, je l'ai tourné et je l'ai mis dans une position où je pouvais saisir l'arme. Ou la brosse à cheveux. Et je peux facilement l'éloigner de toi. Un point pour toi. Maintenant, je prends l'arme. C'est quoi ton premier coup? Désolée, attends, une seconde, c'est Earl Flensburg. Et il est... ceinture noire. Alors, Flensburg? Il est fleuriste. Il a un magasin de fleurs pas loin de ma boutique. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le jour avant le meurtre de Jagger au stand de l'elfe en folie. Je l'ai vu sortir du bureau, il avait l'air très en colère. Et je me souviens aussi qu'il tenait sa main comme si elle lui faisait mal. Je crois bien que c'est à cause d'Earl que Larry a eu son œil au beurre noir. Je vais enquêter. D'accord. Comme dans « Je vais aller enquêter tout seul et toi tu n'iras pas interroger cet homme ». Oui, bien entendu. Tu apprends vite. Distraire, prendre le poignet et tourner. J'ai compris. Je crois que oui. Tu es sûr que tu n'es pas une sorte de taupe pâtissière ninja espionne ou un truc comme ça? Et quand vous vous réveillez le matin, pensez qu'être en vie est le plus précieux des cadeaux. Voilà ce qu'a dit Marc Aurèle, empereur et philosophe du IIe siècle. Ce qui était vrai à l'époque l'est aussi aujourd'hui. Bienvenue, mes amis, dans l'émission du Dr Love. Benjamin Hadid. Monsieur Jagger, on vous a bien eu. Vous devez être effondré. Je crois que je suis encore sous le choc. J'ai failli arrêter l'activité, mais j'ai tellement investi dans cette affaire. Il reste encore plein de sapins à vendre. Mais est-ce que la police vous a donné des informations sur l'identité du tueur? Aucune. Je crois que c'était juste le hasard. Peut-être que c'était... cette bande de cambrioleurs dont on n'arrête pas de parler. Ils ont peut-être essayé d'attaquer Larry, mais la situation a mal tourné. Excusez-moi. Bonjour, je peux vous aider? Anna Swenson. Quelle agréable surprise. Bonjour, lieutenant Kingston. Je suis juste venue livrer des biscuits. Et discuter avec Courtney Miller, qui se trouve être un suspect dans le meurtre de Larry Jagger. Oui, mais c'était une conversation ordinaire. Mmh. C'est ça. Oh, ils ont l'air bons, je peux? Oui, tu peux. Merci. Ce sont les biscuits de Noël qu'on vend le plus. Mmh, trop bon. Merci. Mmh. Tu sais que tu peux en trouver au rayon surgelé. Mmh. Tu sais, je dois te dire que j'ai trouvé les réponses de Courtney très étranges. Je crois que sa réaction à la mort de Larry était bizarre. Je vous remercie, lieutenant Swenson, mais nous l'avons sur les vidéosurveillance de chez Kelly's Dinner et de chez Costmark entre 20 et 22 heures. Merci. Le légiste a dit que l'heure de la mort se situe après 21 heures, un peu avant ton arrivée, donc c'est pas elle. Vraiment? Ouais. J'ai trouvé qui était le troisième investisseur. Je me suis dit que c'était peut-être lui parce qu'il avait le mobile idéal, mais j'avais tort. Comment t'en es sûr? Benjamin Hadid. Larry a dit que c'était son oncle. Courtney nous l'a dit dans son témoignage, mais ce type n'est pas facile à retrouver. Bah,
Ne perds pas ton temps. Oncle Ben Haddad, on vous a bien eu. Il n'y a jamais eu de troisième investisseur. Non. Larry n'était qu'un gros arnaqueur et il a juste tout organisé pour que l'argent soit partagé en trois, sauf qu'en fait, il n'y a jamais eu de vieil oncle Ben. Et il s'est accaparé les deux tiers des bénéfices, tu vois. Donc Courtney a investi la mise de départ et lui a empoché tout le reste de l'argent. Quel talent ! Larry ? Mais il était abject. Non, c'est toi qui as du talent. Merci. Mais on a déjà compris tout ça. Alors, rentre chez toi et arrête de te mêler de mon enquête. Bien sûr, lieutenant. Pas de problème. Elf Molly. Bonjour, mademoiselle Swenson. Bonjour. Vous allez bien ? Non, on ne s'attend jamais à ce qu'il y ait un mort sur son lieu de travail. Oui, c'est évident. Je suis désolée de vous voir comme ça. C'est vrai, vous rendez les gens si heureux. C'est vrai que j'aime bien mon travail. Je crois que choisir un sapin, c'est une des choses les plus agréables à faire à Noël. C'était une dame très gentille, mais elle a mis un temps infini à choisir son sapin. Cette dame-là ? Elle est venue tous les soirs. Elle restait au coin de la rue et elle regardait le stand. Et mardi soir, elle a enfin franchi le pas et elle a choisi un sapin. Mardi soir ? Ouais. Bon, je devrais retourner travailler. J'étais contente de vous voir. Ouais. Moi aussi. Salut. Assurez-vous de choisir la bonne personne à aimer. Si vous faites le mauvais choix, vous pourriez passer le reste de votre vie à en subir les conséquences. Chagrin d'amour, vengeance, toutes ces émotions que vous souhaitez éviter à tout prix. Je suis le docteur Love qui vous rappelle que la vie sans amour n'est pas vraiment la vie. Vous avez écouté une heure en compagnie du docteur Love. Si vous avez pris l'émission en cours de route, vous pouvez la retrouver dans son intégralité en podcast sur le site de notre chaîne. Maman, je viens juste d'apprendre quelque chose au sujet du docteur Love. Rappelle-moi vite, d'accord ? Merci. Earl ! Je suis contente de vous voir. Ah, quel bon vent vous amène ? Eh bien, je voudrais acheter un poinsettia pour ma boutique. Et j'en ai de très beaux. Parfait. Oh, vous êtes prêt à partir en voyage ? Oui, je pense que je vais passer un petit peu de temps au Mexique. Ah oui ? Mais alors, que va devenir votre boutique ? Mon fils va s'en occuper. Ah, et pourquoi le Mexique ? Oh, comme ça. Il y a du soleil. Ah. Waouh ! Vous vous êtes pas raté ? C'est pas grand-chose, je ne sens rien. Ah oui ? Comment c'est arrivé ? J'essayais de me remettre en forme, j'y suis allé trop fort. Vous voyez ? Non, je vois pas du tout. Anna ! Mike ! J'allais acheter un poinsettia, tu vois, pour la boutique. Parce que c'est Noël. Monsieur Flensburg, voici le lieutenant Mike Kingston. Enchanté, lieutenant. Il part en voyage au Mexique. Au Mexique ? Oui, tous ses bagages sont prêts, ils sont juste là. C'est très joli, le Mexique. Mmh. Anna ? Je peux utiliser vos toilettes ? Oui, c'est derrière, au bout du couloir, sur votre gauche. Merci. Monsieur Flensburg, je voudrais vous poser quelques questions à propos de Larry Jagger. Vous faisiez des affaires avec lui ? Non. Je le connaissais, c'est tout. Vous le connaissiez bien ? Non, je l'avais croisé en ville, c'est tout. Parce qu'on vous a vu avec Larry Jagger au sapin de l'elfe en folie. Je n'y étais pas pour affaire. Alors, si c'était pas pour affaire, c'était pourquoi ? Larry m'avait demandé de lui présenter les propriétaires d'une exploitation forestière. Je venais d'apprendre qu'il n'avait payé que la moitié de ce qu'il leur devait. Et je suis venu le voir pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il paie. Et c'est ce que vous avez fait ? Oui. Je lui ai dit. Ça a chauffé. À quel point ? C'était pas bien ce qu'il avait fait. C'est moi qui lui avais présenté ces gens. Elles viennent d'où ces marques sur votre main ? Il était en train d'arnaquer mes amis. Dites-moi où vous étiez mardi soir. D'accord. Je l'ai frappé. Mais c'est tout. Où étiez-vous mardi soir, Earl ? Mike, en fait, on peut s'en aller. J'ai besoin que vous répondiez tout de suite à ma question. Écoute, je sais où il était mardi soir. C'est vrai ? C'est vrai ? Oui. Alors on n'a pas besoin de l'embêter plus longtemps, d'accord ? Alors, je vais devoir tout de suite vous emmener avec moi au poste. Allons-y. Mike, il était chez Paliotis en train de dîner. Non, ce n'est pas vrai. Il était avec Carrie Rose. Vous vous trompez. Je suis partie à 21h15. Anna, je vous en prie. D'accord, vous en prie. Tu l'as vu là-bas ? Oui, enfin, je veux dire, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait exactement et il portait ce manteau et cette casquette. J'en suis certaine à 100%, Mike, c'est vrai, c'était cette casquette. S'il vous plaît, ne le dites pas à Norman. Carrie ne veut pas qu'il le sache jusqu'à ce qu'elle ait pu lui parler elle-même. Pourquoi ? Elle ne sait pas comment il prendrait le fait qu'elle voit quelqu'un. Mais elle m'aime, et je l'aime aussi. On veut même se marier. Tu
n'as pas trouvé Earl trop mignon au sujet de Carrie? Je vais quand même vérifier son histoire avec ses amis. Et qu'est-ce qu'il en est de la bande de cambrioleurs? Ils ont été arrêtés hier soir à Lancaster. Donc tu ne penses pas que c'était eux? Ils ont un alibi en béton. Ils étaient en train d'attaquer une station-service et il y avait l'heure sur les images de la vidéosurveillance. Hé, il faut que j'y aille. D'accord. D'accord. Attends. Winston, j'écoute. Je dois te parler du stand de l'elfe en folie. Oui, d'accord, maman. Je m'en occupe. Envoyez-moi les infos. Maman, oui, j'arrive. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas chez qui aller. Nancy n'est pas une tueuse. C'est une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Je lui... D'accord, je veux savoir pourquoi vous êtes venue ici. J'étais en chemin pour aller à la station de radio. Et là, j'ai vu toutes les voitures de police. Ils sont convaincus que j'ai tué Larry. Mais je n'ai rien fait. Je vous jure que je suis innocente. Je suis sûre que tu l'es, ma chérie. Écoute, Anna va tout arranger. N'est-ce pas, Anna? Je veux savoir pourquoi vous m'avez menti à propos de Larry Jagger. Comment ça? Vous avez prétendu que vous ne l'aviez pas vu depuis 10 ans. Et j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Quelqu'un m'a dit que vous étiez allé là-bas. Vous y avez acheté votre sapin de Noël. Je venais de passer toutes ces années à détester cet homme, à lui donner du pouvoir. Et j'avais besoin de le voir et de récupérer ma puissance. Et je l'ai fait, je suis allée là-bas. Je lui ai fait face et je lui ai dit à quel point il m'avait fait du mal. Mais je n'y suis pas retournée pour le tuer. Je le détestais, c'est vrai. Mais je n'aurais jamais pu assassiner quelqu'un. Vous savez que vous devez vous rendre, non? Vous devez le faire, et je vais appeler Mike. Le lieutenant Kingston est celui qui enquête sur cette affaire. Il faut qu'il sache où vous êtes. Ils vont m'arrêter. Oui, c'est vrai. Sois forte, ma chérie. Je n'ai rien fait. Allez, on y va. J'espère vraiment qu'on a bien fait d'appeler Mike. On n'avait pas le choix, tu le sais bien. C'est un excellent policier, il va découvrir la vérité. Je l'espère. Je l'ai invitée pour le réveillon. Elle est innocente. Je sais, maman, et je vais l'aider. Oh oui, ma chérie. Ça va aller. Anna, Dolores, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas le docteur Love dans la voiture du shérif? Si, si, c'était elle. Ils l'ont arrêtée pour le meurtre? Oh non, ils vont simplement l'interroger. Elle est aussi innocente qu'un agneau. Quelle horrible situation. C'est affreux. Je peux vous aider, Miss Whiting? Oh, oui. Nous faisons une petite fête pour Noël avec des collègues. Oh, je voudrais un bon dessert. Vous êtes venue au bon endroit. Nous avons un plum pudding qui fait l'unanimité. Ah, oui. Parfait. Allons-y. Oh, puisque vous êtes là, Dolores, tenez, j'ai corrigé votre devoir. Oh, Anna, j'ai eu 20 sur 20. Vous allez faire une excellente femme d'affaires. Merci. Ça vous plaît? C'est très joli, très joli. Voilà. Je suis vraiment désolée pour votre amie, Dolores. Merci. Je suis sûre qu'une fois qu'ils l'auront interrogée, ils la laisseront s'en aller. Je suis d'accord. Évidemment. Tenez. Et votre plum pudding. Régalez-vous. Merci, merci. Au revoir. Bon, je devrais me mettre en route, moi aussi. Oh, quelle journée. Maman, est-ce que tu as parlé à Carrie à propos de son histoire? Non, elle ne me répond pas au téléphone. Tant pis pour les confidences entre amis. J'en ai une en prison et une qui passe son temps à m'éviter. Oh, au fait, vérifie tes mails. Tu sais, ma préférence pour Norman n'a pas changé. Mais je sais qu'il te faut un plan B. J'ai toujours été pragmatique. Je t'ai envoyé le lien pour ton profil sur le site de rencontre au cas où tu voudrais l'activer. D'abord le dîner, maintenant le déjeuner, dans le même restaurant et la même semaine. Je suis juste. Je suis ravi que vous ayez pu vous libérer. C'est vous qui avez été occupé dernièrement. Pas vraiment. Oh, monsieur merci. Rhodes, votre table est prête. Bonjour. Je peux prendre merci. Vos manteaux? Ah oh, oui, bien sûr, merci beaucoup. Et voilà. Tenez. Merci. Kathleen? Docteur Love a été arrêté. Je sais qu'il y a une tonne de preuves contre elle, mais je ne crois pas qu'elle soit le tueur. Je suis juste content de ne pas avoir à parler de ça ou d'avoir à y penser. Le plat du jour est sur la première page. Je merci. Reviens vers vous pour prendre votre commande. Merci. De rien. Merci. Je n'y peux rien. Je pense à ça tout le temps. J'adore faire des puzzles. Je fais les mots croisés du New York Times tous les dimanches. C'est impressionnant. Et sans danger. Ça devrait vous suffire. Toutes ces situations dans lesquelles vous vous impliquez, ce ne sont pas des jeux. Vous savez que c'est dangereux. Vous le savez. Écoutez, je... Merci. Je tiens beaucoup à vous.
Et j'imagine que vous le savez, mais j'ai quelque chose pour vous. Oh mon Dieu! Oh Norman, je ne suis pas prête à répondre à cette question. On ne se connaît pas depuis longtemps. Oh mon Dieu! Vous ne croyez pas qu'il faudrait d'abord. Je suis désolée, ce n'est pas une bague. Je ne vous demande pas votre main. Je suis désolée, j'ai dû avoir l'air. Vous avez failli me faire une crise cardiaque, Norman. Waouh, je veux dire, ce n'est pas que je ne voudrais S'il vous plaît, non, ça va aller, je comprends tout à fait. Bon, allez-y, ouvrez-la. C'est Noël en avance. Waouh. Ce sont des grenats. C'est votre pierre de naissance. Oui. Elles sont magnifiques. Tout comme vous. Merci. Je ne vous ai toujours pas choisi de cadeau de Noël. J'y réfléchis encore. Ne soyez pas bête. Vous ne m'avez jamais fait payer pour aucune gourmandise depuis qu'on se connaît. C'est difficilement comparable. Norman, je les adore. Alors, tant mieux. Ah. Vous savez, vous avez failli gâcher la surprise. Ah oui? Ma cousine travaille à la bijouterie. Vous avez eu le temps de regarder le menu? Non, pas encore. Non, pas encore. D'accord, très bien. Merci. Vous disiez quoi sur votre cousine? Elle travaille à la bijouterie Crown. Et l'autre jour, je quittais sa boutique quand je suis tombée sur vous. C'était à deux doigts. Oui, votre cousine. Je m'en souviens. Je sais, vous avez raison. Nous y voilà. Attention à la marche. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle journée. Et pour les boucles d'oreilles. Oh, Anna, ça m'a fait plaisir. D'accord. Je suis tellement heureux d'être revenu à Eden Lake et aussi d'avoir pu vous rencontrer. Moi aussi. Bonne nuit. C'était comment? Oh, tu m'as fait peur. Alors, ce baiser, Moïse et moi, on vous observait. C'était très chouette. Oh, qu'est-ce qu'il t'a offert? Norman m'a offert des boucles d'oreilles pour Noël. Oh, d'accord. Elles sont magnifiques. Je sais. Norman a forcément gagné des points avec ça. Oh. Mais je te parie que Mike t'achètera quelque chose de bien plus joli pour Noël. Je ne vais même pas voir Mike le jour de Noël. Il m'en a pas parlé. En plus de ça, je serai occupée à tout préparer pour notre réveillon. Il ne t'a pas demandé de passer du temps avec lui parce qu'il sera là au dîner. Mais en fait, maman a invité Carrie et Norman, alors je vois pas comment elle aurait pu inviter Mike. Maman ne l'a pas invité. C'est bien ce que je te disais. C'est moi. Quoi? Tu as bien invité... Bianco Media Center, qu'est-ce que c'est? Tu as invité... Mais c'est le devoir de cours de commerce de maman, c'est un faux truc. Non, Bianco Media Center, c'est une vraie entreprise. Ah ouais, oui, ils ont des invité... super affaires. Mike de Green Bay. Tu mets les devoirs de maman sous le frigo avec Carrie et Norman? Bah oui, pourquoi pas, elle a quand même eu 20 sur 20. Je trouve ça vraiment mignon. Tu seras vraiment une très bonne mère. Sarah, oh, je suis désolée. Vos cheesecakes aux trois chocolats ne seront prêts que dans 20 bonnes minutes. Merci, monsieur. Oh. Tiens, d'accord. Bon, je vais pas avoir assez de temps pour tout faire. Je suis arrivée de Chicago hier soir et je dois encore faire toutes mes courses de Noël. Je repasserai dans une heure. C'est d'accord. Oh, Sarah, on va fermer plus tôt ce soir. Il y a la soirée de charité. Oui, moi aussi j'y vais. Il y a un voyage à Disneyland à gagner et je vais enchérir dessus. Je veux le pack complet de sécurité pour la maison. Avec tout ce qui s'est passé dans notre quartier, je veux remplacer mes vieilles caméras de surveillance. Vos caméras? C'est rien de sophistiqué, ça faisait juste bien l'affaire. J'ai des caméras à l'extérieur de la maison et je vois qui est à la porte. Vous vivez toujours sur Victoria, près de Maine? En face du stand de sapin de Noël. Quel genre de caméra c'est? Est-ce que ça... Est-ce qu'elles enregistrent ou ce n'est qu'en direct? Les deux. Je me disais juste, vous voyez qu'on devrait équiper la boutique. À quelle heure vous serez chez vous? Dans une heure à peu près. Et si je vous livrais vos cheesecakes chez vous? Je serais ravie de le faire. Je dois aller dans le coin, de toute façon. C'est vrai? Ah oui? Je veux pas vous mettre en retard. C'est Noël, ça me fait plaisir. Alors, je vous vois chez vous, dans une heure. Oui, c'est super. Merci. Génial. Pas de problème. Oui, merci.
Anna. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Joyeux Noël. Je distribue des petits cadeaux pour Noël. On a dû fermer la boutique plus tôt pour la soirée de charité de ce soir. Ah oui. Joyeux Noël. Oui, Mike. Je suis sûr que tu adorerais en distribuer par ici. Merci beaucoup. Mais de rien. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de savoir où on en est avec le docteur Love. Ça m'ennuie de l'admettre, mais je crois qu'elle est innocente. Je sais que t'en es persuadée, mais... Vous saviez que j'allais venir, joyeux Noël. J'ai bien fait de me dire où elle était. Écoute, tu sais, tu te souviens l'autre jour. Tu m'as offert le sapin de Noël parce que tu l'avais acheté 6 minutes avant Norman et l'heure était indiquée sur le reçu. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qu'il en est du reçu du docteur Love, je veux dire? Oh, excusez-moi, lieutenant. Joyeux Noël. Quelle était l'heure indiquée sur son reçu? Ça disait 20h30, ce qui lui laissait bien assez de temps pour rentrer chez elle, déposer le sapin et revenir pour tuer Larry avant que tu n'arrives à 21h30. Mais écoute-moi, Mike, je ne crois vraiment pas que ça se soit passé comme ça. D'accord, Anna, stop. Qu'est-ce que tu manigances? D'accord, alors, je veux pas que tu t'énerves, mais... Sarah Shanfield habite juste en face des sapins de l'elfe en folie. Et elle m'a dit qu'elle avait des caméras de surveillance qui sont pointées en direction du stand sur le parking. Elle m'a donné les images des caméras et je les ai regardées. Hé, Mike, tu... T'as un appel sur la 6. Je n'essayais pas de... Écoute, tu dois t'en aller maintenant, d'accord? Je te verrai plus tard. Mais qu'est-ce que tu vas... Je vais les regarder tout de suite. D'accord. La 6? Ouais. Ah, dis-moi que c'est au carnet. Caramel, chamallow. Yes. Ouais, ce monsieur Jagger n'était pas vraiment un type bien. Ouais. Et encore, c'est qu'une liste partielle des gens qu'il a arnaqués. Quelle tristesse. Mmh. Ouais, on est en train de boucler l'affaire, tant mieux. Hé, hey, Bill, pourquoi quelqu'un voudrait tirer sur une télé? Un crime passionnel. Les gens font des trucs de fou. Ou peut-être qu'elle n'aimait pas ce qu'il regardait. Arrête. Ah, je dois y aller. Andrea m'attend, je dois passer la prendre dans 20 minutes pour la soirée. D'accord. En fait, je les trouve. On se verra là-bas. Excellent. Ah, merci. Salvador Bianco. Oh, pauvre Nancy. Elle va passer la veille de Noël en prison. Quelle injustice. Oh, regarde, je crois qu'elle va neiger. Oh. On va avoir un Noël blanc. Oui. Maman, quel genre de voiture conduit le docteur Love? Elle a une brique rouge. Et sur ses plaques, il y a écrit Dr. Love. C'est malin, hein? C'était magnifique. Merci beaucoup. Applaudissons bien fort la chorale des Dunley. L'accord parfait. Wow! Bravissimo! Je voudrais vous annoncer que ce soir, nous avons déjà récolté 20 000 dollars pour l'hôpital des enfants. Wow! Wow! Et ce n'est pas fini, on va encore récolter de l'argent. C'est l'heure de nos ventes aux enchères en direct. Alors, tout d'abord, nous proposons 6 mois de pressing gratuit, généreusement offert par le pressing Hamptons. Applaudissons bien fort, monsieur Hampton Kitty. Non, c'est pour toi, d'accord. C'est pas 20 dollars, j'ai dit 20 dollars, 20 dollars, j'entends 30. 30 dollars, 40 dollars, 40 dollars. Qui dit 50? 50 dollars. 50 dollars. 50 dollars pour Madame Hauser. J'ai 50 dollars, alors qui dit 60? 60 dollars. 60 dollars pour le film des temps. On a 60 dollars, qui dit 70? 70, qui dit 70? On a 60, 70. 70 dollars! Adjugé, vendu à Milton. Bien joué. Super. D'accord. Voici la prochaine sur la liste. Bien, je crois que c'est une année de livraison à domicile de délicieux desserts offerts par Anna Swenson de la boîte à gâteaux d'Anna. Levez-vous, Anna, montrez-vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime bien manger un bon dessert de temps en temps. Alors je vais ouvrir les enchères avec 75 dollars. Qui dit 80? 80 dollars. Maman, assieds-toi. Tu peux les avoir gratuitement. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça qu'on fait monter le prix, chérie. Regarde. 90? J'ai 80 dollars. Qui dit 90? 100 dollars. Wow. Oh, 100 dollars. Quel merveilleux. Nous avons 100 dollars. Une fois. 100 dollars. Deux fois. Non. Et 200 dollars. Bravo. Wow. 200 dollars. On a un gourmand dans la salle. C'est la guerre, les amis. Ça fait 200 dollars. Qui dit 250? Oui, 250. 250, qui dit 300? 250, qui dit 300 dollars? 300 dollars! 300! 300!
mon Dieu, mon Dieu, c'est incroyable. Waouh. Oh non. Monsieur le maire. Attendez, monsieur le maire. D'accord, attendez. Écoutez, c'est vraiment... c'est incroyable. Je me disais simplement que si ces deux messieurs étaient d'accord pour donner 250 dollars chacun à l'hôpital des enfants, de mon côté, je leur livrerai à tous les deux des desserts gratuits pendant un an. Oui. Quelle générosité, quelle merveilleuse idée. Merci beaucoup. De rien. C'est bien, Marie, c'est incroyable. Très bien. Ça nous fait 250 dollars chacun pour une bonne cause. Offert par deux gars super. Allez, je suis désolé, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. C'est l'heure de retrouver notre chorale pour une autre chanson. Oui, j'attends. Et nous aurons bientôt d'autres lots à acheter aux enchères. Profitez de la musique, on revient. Oui, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Je suis en ligne avec eux, qui sera la scientifique de Minneapolis. Vas-y, je t'en. D'accord, Anna, viens vite. Anna, tu peux pas. Tais-toi, et viens avec moi. Mike, je t'aurais donné tous ces desserts gratuitement. Oui, mais j'aurais même payé le double. Bon, écoute. On a une piste grâce aux caméras. Mais... d'accord. Non, c'est une Toyota Corolla. Ça ne faut qu'un doute. On voit la voiture arriver au stand juste avant la mort de Larry. Malheureusement, l'angle de la caméra, là où la voiture est garée, est en partie bloqué. Du coup, on ne voit pas qui sort. Mais on peut zoomer, non? On peut zoomer sur la plaque vidéo est derrière l'agrandissement. Je suis en attente avec la scientifique de Minneapolis. Ils ont tout le matériel qu'il faut pour ça. Écoute. Est-ce qu'on peut parler de tout ça, de ce qui se passe en ce moment? Je veux... Oui. Non, je suis... Je suis toujours là, oui. Génial. Oui, d'accord, oui, je serai à mon bureau. Vous pouvez rester en ligne une seconde, s'il vous plaît. Donnez-moi une seconde, j'arrive. Il pense avoir une piste. Oh, génial. Ça pourrait être décisif, ouais, pour l'enquête, alors je dois tout de suite y aller. Fonce. Mais je veux vraiment te parler, j'ai besoin de te parler. D'accord? D'accord. C'est promis. Je te promets. D'accord, oui, d'accord. Très bien, oui. Oui, non, je vous écoute, je suis en route. Très bien. Oh, la toile, j'ai oublié mes lunettes, dis-moi ce qu'il y a. Il y a Noël blanc, mais c'est en italien. Oh, Bianco Natale, si tu veux. Et après, mon beau sapin en allemand. Oh, Tannenbaum. J'aime ça, c'est polyglotte. Maman. Oui. Bianco, ça veut dire blanc en italien. Bianco, oui, c'est blanc en italien. Il faut qu'on apprenne l'italien. Miss Whiting, tu sais ta prof, hein? Est-ce qu'elle a changé son nom? Whiting, ça veut dire blanc, Bianco. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Chut. Quoi? Tu as dit qu'elle avait habité ailleurs, tu sais où elle habitait? Je m'en souviens pas. Green Bay, j'en sais rien. Chérie, ils sont en train de chanter. Bianco, Media Center. Arrête. Oh, ça capte pas. Je dois y aller, je le sais. Je reviens très vite. Chérie, tu as peut-être raté quelque chose. Oh, c'est peut-être déjà fait. Ton manteau. Non, Anna.
Vous ne pouvez pas faire ça. Je dois le faire. Je suis désolée. Posez ce téléphone sur le capot. D'accord. Maintenant. D'accord. Reculez-vous. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, Anna. La police. Un meurtre doit toujours être résolu. Kimberly. C'est bien votre nom, n'est-ce pas? Kimberly Bianco. J'ai été cette personne dans le passé. Bianco Media Center, Green Bay, Wisconsin. Salvador Bianco était votre père. Et je sais que Larry Jagger a intentionnellement poussé à la ruine votre entreprise familiale. Larry était un arnaqueur. C'est son métier. Enfin, c'était... Vous l'avez tué. Il avait tué mon père. Salvador Bianco a fait une crise cardiaque juste avant la banqueroute, c'est mon ça? Mon père est mort d'avoir eu le cœur brisé. Que son entreprise ait fait faillite a détruit sa vie. Larry lui a enlevé jusqu'à son honneur. Je suis désolée. Je ne vois aucune autre solution. D'accord, je vous écoute. Une voiture dans le Wisconsin, 2G1RDS. Super, merci. Allez, vérifie-moi ça. Trouve-moi la carte grise. C'est compris. T'en occupes, hein? Ouais. De Larry, c'est ça? Il vous a brisé le cœur? Oui. Oui, j'étais follement amoureuse de lui. Il m'a utilisée. Bill, on doit y aller. Je sais où ils sont. Je sais où... Il me faut des renforts! Suivez-moi, on y va! Il nous faut des renforts au stand des sapins! Les unités disponibles au stand des sapins! Vite! Il m'a poussé à convaincre mon père de le faire entrer dans l'entreprise pour faire de lui un associé. Et c'est ce que j'ai fait. Je vivrai avec cette honte en moi jusqu'au jour de ma mort. Mais vous avez mis votre vengeance à exécution. Et c'était parfait. Vous avez réussi? Jusqu'au moindre détail. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je l'ai cherché pendant 14 mois. Ce n'est pas la chance qui m'a permis de me venger, mais le destin. Sa fiancée a commencé à avoir des soupçons. Elle a engagé une comptable. Luan Granger. Elle vous a demandé de lui venir en aide? Tout à fait. Luan était très inquiète et bouleversée. Je savais que je pouvais mettre un terme à tout ça avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Vous avez le droit d'être blessée et en colère. Mais si vous faites ça, vous n'allez faire qu'aggraver votre cas. Je suis vraiment désolée, Anna. Juste une balle dans votre cœur. Vous ne souffrirez pas. Attrape-la, Bill. Vas-y, attrape-la, Bill. Arrêtez. Tu l'as? Ça va? Tu as tout entendu? Je l'ai entendu, je l'ai entendu, j'ai tout entendu. Ça va? Ça va? J'ai vraiment cru qu'elle allait me tuer. J'ai cru qu'elle allait... J'ai eu tellement peur de te perdre. Tu dois t'arrêter, je ne serai pas toujours là pour te protéger. Et voilà! Allez, tout le monde à table, la dinde est magnifique. Wow. Elle est enfin prête. Wow. Et joyeux Noël à tous. C'est magnifique. J'ai une fin de l'eau, je vais faire honneur à cette dinde. Je suis tellement reconnaissante d'avoir ma famille et mes amis autour de cette table. Et d'ailleurs, nous devrions être reconnaissants pour tellement de choses. Salut. D'ailleurs, ce soir, salut. Mes amis, nous célébrons la chance immense d'être réunis. Alors, levons nos verres.
à ma chère amie Carrie et à son prince charmant. Santé. Santé. Ils font leur plein de bonheur pour cette santé. Aventure. Santé. Félicitations. Vous faites plaisir à voir. Vous êtes là qu'en présent. Ça n'a pas fait rire. Excusez-moi, moi aussi j'ai une bonne raison d'être reconnaissante. Bill et moi, on a une excellente nouvelle. Nous allons avoir un bébé. Ah, Andrea. Oh, Andrea. Je vais être papa. Andrea, je suis si heureuse. Oh, c'est génial. Je vais attendre que Bill soit là, maman. Félicitations. C'est une telle joie de célébrer une vie nouvelle. Et de savoir que l'on peut toujours avoir une seconde chance. Parfois, on ne sait pas ce qu'il manque dans une recette, jusqu'à ce que tout à coup, on trouve. Tout comme on ne sait pas ce qu'il manque à notre vie, jusqu'à ce que ça nous saute aux yeux. Et c'est là qu'on se rend compte que c'était juste devant nous, depuis le début. Asseyez-vous tous. Ma chérie, joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Merci, joyeux Noël à toi, maman.